Sois ce que tu es. Les enseignements de Sri Ramana Maharshi. Chapitre 8. Le Gourou. Le gourou et le soi. Quelquefois, au cours de sa vie, un homme éprouve du mécontentement, n'est pas satisfait de ce qu'il a, et cherche l'accomplissement de ses désirs à travers la prière à Dieu. Son esprit se purifie petit à petit, jusqu'au point où il désire ardemment connaître Dieu, plus pour obtenir sa grâce que pour satisfaire ses désirs terrestres. À ce moment-là, la grâce de Dieu commence à se manifester. Dieu apparaît aux fidèles sous la forme du gourou, lui enseigne la vérité et, outre cela, purifie son esprit par son contact. L'esprit du disciple gagne en vigueur et est alors capable de se tourner vers l'intérieur. Par la méditation, il se purifie davantage et demeure calme et sans la moindre agitation. Cet étendu calme, c'est le soi. Le gourou est à la fois extérieur et intérieur. De l'extérieur, il donne une poussée à l'esprit pour le tourner vers l'intérieur. De l'intérieur, il aide à calmer l'esprit et le tire vers le soi. C'est cela la grâce du gourou. Il n'y a pas de différence entre Dieu, le gourou et le soi. Le maître est à l'intérieur. La méditation sert à écarter l'idée fausse qu'il n'est qu'extérieur. Si c'est un étranger que vous vous attendez à voir apparaître, il devra aussi disparaître. Quel est l'intérêt de quelqu'un qui ne fait que passer? Mais aussi longtemps que vous pensez que vous êtes séparé des autres, ou que vous êtes le corps, un maître extérieur est nécessaire, et dans ce cas, il apparaîtra avec un corps. Quand la fausse identification avec le corps cessera, on s'apercevra que le maître n'est rien d'autre que le soi. Comme vous pensez que vous possédez un corps, vous pensez que le gourou va faire quelque chose de tangible pour vous, comme au travers d'une initiation. Mais le travail du gourou est intérieur, dans le domaine spirituel. Vous demandez comment trouver le gourou? Dieu, qui est immanent, prend pitié dans sa grâce de l'adorateur fervent et se manifeste à lui en fonction de son niveau de développement. Le fidèle pense qu'il est un homme et s'attend à ce qu'une relation s'établisse entre deux corps physiques. Mais le gourou, qui est Dieu ou le soi incarné, travail de l'intérieur, aide l'homme à saisir le côté erroné de sa façon de voir et le guide sur le droit chemin jusqu'à ce qu'il réalise le soi en lui. Les signes qui vous permettront de reconnaître un véritable maître sont un maintien constant dans le soi, un regard équanime sur tout,
un courage inébranlable à tout moment, partout et en n'importe quelle circonstance. Lorsque vous cherchez un maître spirituel, choisissez celui auprès duquel vous trouvez la paix. Le maître qui ordonne à un chercheur fervent de faire ceci ou de faire cela n'est pas un vrai maître. Le chercheur est déjà affecté par ses propres activités et veut le repos et la paix. En d'autres mots, il désire mettre un terme à ses activités. Si un maître lui dit de faire quelque chose en plus ou à la place de ses activités, est-ce que cela peut être d'une aide quelconque pour le chercheur? L'activité est création. C'est la destruction de notre félicité naturelle. Si l'activité est recommandée, celui qui la conseille n'est pas un maître, mais un meurtrier. Une telle personne ne peut pas libérer l'aspirant. Elle ne peut que renforcer ses chaînes. Sachez que vous trouverez votre propre gourou par une méditation intense. En vérité absolue, l'état de gourou est celui du soi, mais il est difficile pour le moi, qui est devenu l'individu à cause de l'ignorance, de réaliser son état ou sa nature véritable sans la grâce du gourou, et ce, quel que soit le niveau d'érudition du disciple ou quels que soient ses pouvoirs occultes. Les signes de la grâce du gourou sont au-delà des mots et des pensées. Un éléphant peut se réveiller brusquement parce qu'il a vu un lion en rêve. De même que l'éléphant s'éveille à la simple vue du lion, de même il est certain que le disciple s'éveillera du sommeil de l'ignorance à l'état pleinement éveillé de la connaissance véritable, par l'intermédiaire du regard bienveillant de la grâce du gourou. D'abord, l'âme individuelle qui désire atteindre le niveau divin ou l'état de connaissance véritable a une dévotion intense. Quand cette dévotion est arrivée à maturité, le Seigneur qui est le témoin de cette âme individuelle et qui est identique à elle se manifeste. Il apparaît sous une forme humaine, avec l'aide de ses trois caractéristiques naturelles, être, conscience, béatitude, assumant gracieusement un nom et une forme. En faisant le geste de bénir le disciple, il l'absorbe en lui-même. C'est ainsi que le gourou peut être appelé le Seigneur. Pour un nombre restreint d'êtres suffisamment mûrs, le Seigneur resplendit comme la lumière sans forme de la connaissance et transmet la réalisation de la vérité. Ainsi, ils peuvent atteindre la connaissance sans gourou.
Le gourou authentique est celui avec lequel votre esprit s'harmonise. Il doit être doté de calme, de patience, de miséricorde et d'autres vertus. Il doit être capable d'attirer les autres, ne serait-ce qu'avec son regard, comme un aimant attire le fer. Il doit avoir un sentiment égal pour tous. Celui qui possède ces qualités est le véritable gourou. Mais celui qui veut connaître la nature véritable du gourou doit d'abord connaître sa propre nature véritable. Comment pourrait-il en être autrement? Si vous désirez saisir la nature véritable ou la forme propre du gourou, vous devez d'abord apprendre à regarder l'univers entier comme la forme du gourou. Il vous faut voir le gourou dans tous les êtres vivants. C'est la même chose avec Dieu. Vous devez considérer toute chose comme la forme de Dieu. Comment quelqu'un qui ne connaît pas son propre soi peut-il percevoir la forme propre de Dieu ou celle du gourou? Comment peut-il les déterminer? Connaissez d'abord votre vraie nature, votre forme propre. La libération n'est nulle part en dehors de vous. Elle ne peut être qu'à l'intérieur. Si un homme désire fortement la délivrance, le gourou qui est dedans le tire vers l'intérieur, tandis que le gourou extérieur le pousse vers le soi. C'est cela, la grâce du gourou. Et je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de gourou. Le gourou n'a pas besoin d'avoir une forme humaine. Dattatreya a eu 25 gourous différents, y compris les 5 éléments, la terre, l'eau, etc. Chaque objet en ce monde était son gourou. Le gourou est absolument nécessaire. Les Upanishads disent que seul un gourou peut sortir un homme de la jungle de l'intellect et des perceptions sensorielles. Qu'est-ce qu'un gourou? Le gourou, c'est Dieu ou le soi. Un homme demande d'abord à Dieu d'exaucer ses désirs. Un temps arrive où il ne va plus prier pour voir ses désirs matériels exaucés, mais pour Dieu lui-même. Alors Dieu lui apparaît sous une forme ou sous une autre, humaine ou non, pour le guider vers lui en réponse à ses prières et selon ses besoins. Bien que vous soyez fidèle à un maître, vous pouvez en respecter d'autres. Mais il n'y a qu'un gourou, et il n'est pas physique. Aussi longtemps qu'on est faible, on a besoin du soutien d'une force. Le vrai gourou est en vous. Il vous apporte son aide en permanence. Pour la ressentir, il vous suffit de vous abandonner et vous la trouverez. Si vous cherchez un gourou que vous puissiez voir, sachez que ce gourou vous dira que le vrai gourou est en vous.
Votre pratique est déjà le résultat de la grâce du gourou. Les fruits sont le résultat automatique de la pratique. Une strophe du Kaivalya dit « Ô gourou, vous avez toujours été avec moi. Vous m'avez suivi de près à travers de nombreuses réincarnations. Vous avez dirigé mes pas jusqu'à ce que je sois libéré. » Le soi prend l'apparence extérieure du gourou quand l'occasion se présente. Autrement, il reste à l'intérieur, accomplissant ce qu'il faut. Certains disciples adorent une photo de leur maître et disent que c'est leur gourou. Bien qu'un portrait soit sans vie, grâce à cette pratique, l'esprit acquiert un certain degré de concentration. Cette concentration ne va pas demeurer permanente, à moins d'acquérir la connaissance de son propre soi par l'investigation. Pour cela, l'aide d'un gourou est indispensable. Le gourou ne procure pas la réalisation du soi. Il enlève simplement les obstacles sur la route. Le soi est réalisé en permanence. Tant que vous recherchez la réalisation du soi, il faut un gourou. Le gourou est le soi. Considérez le gourou comme le vrai soi, et votre soi comme le moi individuel. La disparition de ce sens de la dualité sera par la même occasion celle de l'ignorance. Tant que la dualité persiste en vous, un gourou est nécessaire. Vous vous identifiez vous-même avec le corps. C'est pourquoi vous pensez que le gourou aussi est un corps. Ni vous, ni le gourou n'êtes le corps. Vous êtes le soi et le gourou aussi. Cette connaissance s'acquiert par ce que vous appelez la réalisation du soi. Vous saurez que tel individu est un gourou compétent par le sentiment de paix que vous trouverez en sa présence et le respect que vous ressentez pour lui. Si le gourou se révèle incompétent, le sort du disciple qui a eu une confiance absolue en lui dépendra du mérite de ce disciple. La grâce du gourou n'est jamais absente, et c'est par l'abandon que l'on peut la comprendre. Vous souhaitez savoir si on peut avoir plus d'un maître spirituel. Mais qui est le maître? Après tout, c'est le soi. Selon le stade de développement de l'esprit,
le soi se manifeste extérieurement comme le maître. Dattatreya, un saint du passé, disait qu'il avait eu plus de 24 maîtres. Le maître est celui de qui on apprend tout. Le gourou peut aussi être un objet inanimé, comme dans le cas de Dattatreya. Dieu, le gourou et le soi sont identiques. Un homme dont l'esprit est orienté vers la spiritualité pense que Dieu est présent partout et le prend pour gourou. Plus tard, Dieu le mettra en contact avec un gourou personnel que cet homme reconnaîtra comme étant la totalité dans la totalité. En dernier lieu, par la grâce du maître, le même homme comprendra que le soi est la réalité, que le soi est le maître et qu'il n'y a rien d'autre. Il est écrit dans la Bhagavad Gita: réalisez le soi avec un esprit pur, et aussi en vous mettant au service du gourou et en pratiquant l'investigation. Comment cela pourrait-il bien s'accorder? Sachez que le Seigneur, le gourou et le soi sont identiques. Aussi longtemps que persiste en vous le sens de la dualité, vous recherchez un gourou en pensant qu'il est différent de vous. Pourtant, il vous enseigne la vérité et vous permet d'obtenir la vision intérieure. Celui qui confère à l'âme la connaissance suprême du soi en la mettant en face du soi, celui-là seul est le suprême gourou, loué par les sages comme étant la forme de Dieu qui est le soi. Attachez-vous à lui. En approchant le gourou et en le servant fidèlement, vous pourrez apprendre au moyen de sa grâce la cause de votre naissance et de vos souffrances. Comprenant que cela est dû à votre éloignement du soi, vous saurez qu'il vaut mieux demeurer fermement dans le soi. Même si après avoir embrassé résolument la voie du salut, vous vous en écartez pour une raison ou pour une autre, sachez que vous ne devez jamais vous élever contre la parole du gourou. Les sages disent que si l'on fait du tort à Dieu, cela peut être rattrapé par le gourou, mais le tort fait au gourou ne peut même pas être réparé par Dieu. Pour celui qui, muni d'un amour exceptionnel, intense et abondant, à une foi complète dans le regard de grâce accordé par le gourou, il n'y aura plus de souffrance et il aura dans ce monde une vie égale à Indra, le roi des dieux. La paix, que tout le monde désire, ne peut être obtenue par personne, de quelque façon, quand et où que ce soit, si l'esprit n'a pas été préalablement calmé par le canal de la grâce du vrai gourou. Recherchez toujours cette grâce avec un esprit concentré. Vous dites que vous quittez l'ashram pour rentrer chez vous et que vous voulez que Bhagavan vous accorde sa grâce. Mais où allez-vous? Vous n'allez nulle part. Même en supposant que vous soyez le corps, votre corps est-il venu de chez vous, à Tiruvannamalai? Vous vous êtes simplement assise, et par un mode de transport ou un autre, vous avez été transporté. Et au bout du compte, vous dites que vous êtes venu ici. La vérité est que vous n'êtes pas le corps. Le soi ne se déplace pas. C'est le monde qui se déplace en lui. Vous êtes seulement ce que vous êtes.
il n'y a pas en vous le moindre changement. Aussi, même après ce qui semble un départ d'ici, vous êtes ici, là et partout. Ce sont les décors qui changent. Quant à la grâce, elle est toujours en vous. Si elle était extérieure à vous, cela n'aurait aucun intérêt. La grâce est le soi. Vous n'êtes jamais hors de sa portée. La grâce est toujours là. La grâce est le soi. Je vous ai déjà dit que si vous vous souvenez de Bhagavan, c'est que vous y avez été incité par le soi. N'y a-t-il pas déjà là une grâce? Y a-t-il un seul instant où la grâce n'agit pas en vous? Le fait de vous souvenir est le signe précurseur de grâce. Cela est la réponse. Cela est le stimulus, cela est le soi, et cela est la grâce. Le fait que vous soyez profondément engagé dans la quête du soi est une manifestation de la grâce divine. Elle irradie dans le cœur, l'être intérieur, le vrai soi. Elle nous tire de l'intérieur. Vous devez essayer d'y pénétrer à partir de l'extérieur. Votre effort, c'est la quête ardente. La grâce, c'est le mouvement intérieur profond. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a ni quête véritable sans grâce, ni grâce à l'œuvre pour celui qui ne recherche pas le soi. Les deux sont indispensables. Un gourou est nécessaire aussi longtemps qu'il y a une trace d'ignorance. L'ignorance est due à la limitation du soi que nous nous imposons par erreur. Dieu, lorsqu'on l'adore, accorde la constance dans la dévotion qui conduit à l'abandon. En présence du renoncement de l'adorateur, Dieu montre sa miséricorde en se manifestant en tant que gourou. Le gourou, c'est-à-dire Dieu, guide le fidèle en lui enseignant que Dieu est en lui et qu'il ne diffère pas du soi. Ceci conduit à l'introversion de l'esprit et au bout du compte, à la réalisation. Bien que la grâce soit très importante, l'effort est indispensable jusqu'à l'état de réalisation. Même à ce moment-là, le soi doit devenir manifeste d'une façon spontanée. Autrement, le bonheur ne sera pas complet. Jusqu'à cet état de spontanéité, il faut d'une façon ou d'une autre faire des efforts. Il y a un état au-delà de l'effort et du non-effort. Jusqu'à ce qu'il soit réalisé, l'effort est nécessaire. Une fois qu'une telle béatitude a été goûtée, ne serait-ce qu'une fois, on essaye constamment de la retrouver. Personne ne veut s'en départir ou s'engager dans une autre activité.
La grâce divine est indispensable à la réalisation. Elle conduit à la réalisation de Dieu. Mais une telle grâce n'est accordée qu'à celui qui est un authentique adorateur ou un yogi. Elle est donnée seulement à ceux qui ont beaucoup et sans cesse lutté sur la voie qui mène à la liberté. L'éloignement n'a aucun effet sur la grâce. L'espace et le temps sont en nous. Vous êtes toujours dans le soi. Comment l'espace et le temps pourraient-ils vous affecter? Vous voulez que Bhagavan vous accorde sa grâce. Vous êtes plongé dans l'eau jusqu'au cou et vous pleurez toujours pour avoir de l'eau. Vous ressemblez à quelqu'un qui a soif alors qu'il est plongé dans la rivière claire, à un poisson qui a soif dans l'eau ou à de l'eau qui aurait soif. La grâce est toujours présente. Ni l'absence de passion, ni la réalisation de la vérité, ni l'inhérence au soi ne peuvent s'acquérir sans la grâce du gourou. Mais la pratique est aussi nécessaire. Demeurer dans le soi par ses propres efforts revient à dresser un taureau récalcitrant confiné dans sa stalle en l'amadouant avec de l'herbe grasse pour l'empêcher de divaguer. Le désir de savoir combien de temps il faut pour obtenir la grâce du gourou est un obstacle. Le soi est toujours là, rien n'existe sans lui. Soyez le soi, et désirs et doutes vont s'évanouir. La grâce est le commencement, le milieu et la fin. La grâce est le soi. C'est à cause d'une fausse identification du soi avec le corps que le gourou est considéré comme étant un corps. Mais, du point de vue du gourou, il n'y a que le soi. Le soi est seul et unique, et le gourou vous dit que seul le soi est. Le soi n'est-il donc pas votre gourou ? D'où peut venir autrement la grâce? Elle vient du soi uniquement. La manifestation du soi est une manifestation de la grâce et inversement. Nous nous posons des questions parce que nous considérons les objets comme extérieurs à nous-mêmes et que sur ces bases, nous établissons avec eux des relations fausses. Rien n'est extérieur au soi.